Un conflit, c'est comme un œuf. Au centre de l'œuf, il y a le différent. Tout autour, la coquille, c'est l'aspect humain. Délicat, fragile. Pour régler un litige sans tout casser, ça prend du doigté et du savoir-faire. Et c'est ça le rôle d'une avocate. Conseiller les gens, les éclairer, les guider. Souvent, régler un litige sans passer par le tribunal, c'est l'idéal. Les gens ont besoin d'une complice impartiale qui connaît toutes les méthodes de résolution de conflits pour les guider dans la recherche de leur solution. Une des méthodes efficaces pour régler les conflits, c'est la médiation. Je peux donner des outils aux couples qui vivent une séparation pour qu'ils restent maîtres de leur destin. Tant que les personnes sont au cœur de la démarche et prennent elles-mêmes les meilleures décisions pour elles, tout le monde est gagnant. L'important, c'est que tout le monde ressorte de cette collaboration-là la tête haute, en conservant la relation la plus saine possible. Qu'on parle de partenaire de vie ou de partenaire d'affaires. Par exemple, j'avais deux clients, des amis devenus copropriétaires d'un commerce. Un voulait partir, l'autre voulait garder la compagnie. Ils s'entendaient sur rien sauf une chose. Ils voulaient surtout pas aller en cours. C'est pour ça qu'ils ont opté pour la médiation. Au bout de 3 heures de discussion ensemble, je les ai amenés à réaliser pourquoi ils s'entendaient pas. 3 heures d'échange et une amitié sauvée versus des mois de chicanes devant les tribunaux. Pour moi, c'est ça la justice. Trouver des solutions qui répondent réellement aux besoins de chacun. La médiation avec Maître Sanchez s'est vraiment bien passée. On n'a peut-être pas réussi notre union, mais on a réussi notre séparation. Ce qui compte, c'est que vous soyez encore en bon terme.